Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, petit monster, on est le matin, on est dimanche aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce qu'on va aller à la compétition de RAF. Donc, RAF que vous avez pu suivre un peu tout le temps dans la plupart de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, il y a une compétition de Power. Donc, c'est la première fois que je vais assister à ça. Donc, ça va être plutôt cool. Je vais y aller, il y aura quelques potes et tout, ça va être plutôt sympa. Donc, je vais vous accompagner avec moi. Aujourd'hui, ça va être un rest day. Parce que je suis vraiment claqué. Donc là, ce matin, juste petit monster. Pas de café, pas de truc machin. J'ai vachement réduit la caféine, les gars. Il y en a beaucoup à chaque fois qui font réduire la caféine. Arrête monster, arrête truc machin. J'ai beaucoup réduit la caféine, ok. Donc là, soit je suis sur un monster, soit je suis sur un café ou deux cafés maximum dans la matinée. Donc comme j'ai dit, je m'arrête vers 13h environ. Et ça me permet de, pour l'instant, de réduire ma consommation de caféine tout simplement. J'essaierai peut-être de faire un moment, genre une semaine, 2 semaines de break de caféine. Mais pour l'instant, j'en ai encore besoin. Je le ferai peut-être quand je serai en vacances. Donc je pars environ 2 semaines en vacances. Donc peut-être que je ferai mon break de caféine à ce moment-là. Après, je sais pas. Parce que là où je pars, il y a beaucoup de Monster. Il y a d'autres boissons plutôt cool. Donc j'aime bien tester tout ça. Donc bon, on verra à ce moment-là. Donc là, les gars, je vais me préparer. Là, c'est un t-shirt Represent. Et je vais vous montrer, bon, j'ai reçu des nouveaux samples, les gars. Plutôt sympathique. Et il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Du coup, ça va arriver pour septembre sur Gang's Club. Il y a vraiment du lourd qui arrive dans le futur. Je suis très très content pour ça. Bah, je vais essayer vraiment de faire level up tout ça. Parce que c'est un peu dans mes buts, dans mes objectifs dans la vie. Ça me donne vraiment envie de continuer d'avancer dans ce projet. Merci pour tout le soutien par rapport à ça. J'en parle tout le temps, mais c'est... Enfin, c'est grâce à vous du coup et à tous ceux qui achètent la marque. Donc je suis vraiment content pour tout ça. Je vais peut-être vous montrer un truc, je vais peut-être porter un truc, je pense là-bas, un nouveau sample. Parce qu'il y a des trucs du coup qui vont arriver pour septembre, il y en a d'autres et ça va arriver un peu plus tard. Parce qu'en fait, le fait de faire pas mal de pièces, vu qu'on doit avoir, j'essaie d'avoir assez de taille pour tout le monde, ça rajoute beaucoup, beaucoup et ça fait beaucoup, que ce soit en termes de quantité de stock ou bah, tout simplement en termes d'argent. Donc bon, je vais me préparer, je vais également manger, je vais vous montrer, enfin, je vais vous montrer, mais c'est vraiment comme d'hab, c'est du riz, steak, haricots verts. Bref, bodybuilder life. Et ensuite, je vais me préparer, et ensuite on va y aller, j'ai rendez-vous, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Donc on va voir ce que ça donne. C'est moi qui parlais de power un peu vers la fin de ma compétition de body. J'étais en mode, ouais, je vais peut-être faire du power, peut-être faire une compétition de power et tout, mais bon. Je pense pas que ça va être le moment, donc je verrai peut-être ça plus tard un jour dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai envie, je pense, un jour de me diversifier. Donc, soit partir faire un peu d'autres choses. Je pense pas partir dans le CrossFit pour le coup à un moment. Mais peut-être partir sur des trucs un peu plus cardio. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le sujet. On reste dans le bodybuilding. Je suis très bien là. Je progresse très bien. En ce moment, j'ai vraiment une bonne progression. Donc, je suis plutôt content. J'arrive à avoir une plutôt bonne condition. Comparé à peut-être l'année dernière, peut-être comparé à il y a 2 ans. Donc, c'est plutôt cool. Mais bon. Trêve de blabla, je vais me préparer et on va y aller. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrive une merde, que ce soit sur la tête, quand je mange, j'ai du ketchup ou truc de rasage, bref. J'ai toujours des soucis moi. Et bref, bon bah voilà, mon repas, steak, riz, haricots verts, la base. Je me prépare, je vais vous montrer ça, petit outfit. Et ensuite, on est parti, c'est à 1h en RER. Ensuite, Tristan, Triton va me chercher et on va y aller ensemble. Bon, pour vous montrer vraiment très rapidement, donc il y a ça, une matière stretchy, et on a un petit tee vraiment sympa, assez épais, et avec un truc plutôt sympathique. Donc ça, comme je l'ai dit, ça arrivera pour la rentrée. Ça, je ne sais pas encore si ça arrivera pour la rentrée, il faut que je vois. Mais ça va arriver, ça tue franchement la niveau qualité. C'est un truc de ouf, je suis très très content comment ça monte franchement par rapport au tout début, comment j'augmente niveau qualité et tout, je suis vraiment content. Et c'est le but, c'est de faire une marque vraiment qualitative, pas que juste un merch ou un truc comme ça. C'est vraiment faire un truc avec un bon esprit derrière et je suis plutôt content de comment ça avance. Là, il est tard, donc je vais y aller, sinon je vais être à la bourre. Et comme résolution depuis 1 an et demi, quand même 2 ans, c'est d'être moins à la bourre. Je sais pas vous, mais souvent, bon, j'étais pas mal en retard. Ceux qui me connaissent le savent. Mais maintenant, ça va mieux. Je suis beaucoup, beaucoup moins en retard. Donc, c'est cool.
Là, j'y vais, je rejoins Tristan et je vais vous filmer la compète du coup. Peut-être que je vais faire un petit pair là-bas, non, je vais rien faire. Mais j'espère que Raph va gagner, que la win dans notre équipe. Donc j'espère qu'il va gagner. Je crois que normalement, bah, faudrait qu'il ait des minima ou je sais pas quoi. Je connais pas trop les règles pour monter un peu en power. Mais je crois qu'il y a une sorte de minima et ensuite tu peux faire d'autres compètes et tout ça et tout ça. Donc bon, c'est parti, je me prépare et on y va. Voilà, moi je suis arrivé pile à 13h. Tristan encore en retard. Là je vais me prendre un petit Starbucks parce qu'il va arriver du coup dans 15 minutes. Mais c'est mignon Saint-Germain en lait. Je suis jamais allé. On dirait un grand château, je sais pas quoi. On a un cold brew qui sont revenus en France. Et ensuite on va se diriger vers la compète. Et là il y a des beaux qui vont faire ouais mais il est 13h15. Yeah, j'ai vu, j'ai dit 13h environ, 13h30 max. C'est mon dernier, promis. Mais gros non, ça va? Bientôt, bientôt. Je passe comment moi? Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es ou quoi? Ouais. On se gare où là? Bah montez bon. Hein? Chiche! Oh! Ça bégaye? Ça va, tranquille mon ref. Déter? Ouais, ça va, passe. Hein. Il est bon. Ah, bravo Maxence, il a tout donné. Le dernier plateau. Le dernier de ce premier plateau. 13h33. 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 On va commencer l'échauffement d'ici 15 minutes. Okay. Donc il passe ton premier. 175. Et tranquille, mais tu te mets dedans maintenant. Okay. Tu visualises déjà, tu mets dedans et après on y va dans 15 minutes. Ça continue le bon truc là. Toi je sais que c'est musique. Là, Excalibur, il y avait 15 sièges. Et plus fort. Du coup, je vais être le plus nul des plus forts. Ah ouais? Mais t'as les qualifs France ou pas? 14h15, début du dernier plateau. C'est trop, ils ont augmenté de 20 kilos là. Ah ouais. C'est trop. Et t'as pas. Allez, bah, on a bien, on en fera 200. Prends le temps. Contrôle, fais-moi un tempo. Prends les jambes. Alors, vous pénalisez tous les athlètes. Donc tous les athlètes qui donnent coach des athlètes. C'est chaud. 4 minutes. Vas-y mon ref. 4 minutes. Attends, je vais le faire. Zinzin, c'est maintenant. Là-bas.
gros pressing, tu redresses. Hein, tu stabilises, tu expires, squat, routine, tac, grosse tension. Ok. Et tu stabilises en haut et tu attends le rack. Okay. Visualise. 375 sur le dos, il arrive. Bien mon repas. Son enculé, c'est pas pour rien. Tu exécutes. Y a pas de doute. Ok. Tu m'enlèves ça de la tête. Gros pressing. Grosse inspiration. Ok. C'est plus important. Tu gonfles cette poitrine à fond. Tu bloques. Y'a pas de doute, y'a pas de douleur, y'a rien. Allez Raph. Allez mec. Allez, allez Raph. Allez Raphaël. Allez mon pote. Allez. Attention mec. Allez. Mon gars.
je vois pas si on rate. Allez. Grosse tension. Allez, pousse. Pousse. Allez, pousse. 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 Aberrant. Aberrant. Ouais, la guerre. Ah ouais. Ah ouais. À deux doigts de conclure. Tu l'as pas vu putain. Non. Allez, squad, on va recharger. On y va. Dommage. Allez. Bon placement. Tu vois, au final, c'était le bon call. Hein. Ah mais oui. Mais on va s'en mettre. Il était vraiment. Colle la barre à toi. Grosse tension. Au départ, hein. Allez gros, allez ref, super, ouais, c'est mon ref. Ouais, tu la domines gros, toi ta place sur le plateau. Ah gros, la dernière, on va la manger. Ah. On va la manger. Elle y a pas. Ça c'est le train boulon. Il dit ça à la caméra, le fou. Tu mettras la musique. Ah le fou. Du coup là c'est la dernière barre de Raf. C'est 222,5 je crois. Et il a réussi tous ses lifts. Donc là pour l'instant c'est vraiment nickel. Donc on va voir ça, on va l'encourager au maximum. C'est plutôt cool l'ambiance pour l'instant. Donc c'est cool, c'est un peu long. Et un peu comme les compètes de body au final. Donc bon, là il est chaud. Donc on va l'encourager au maximum les gars. Et ça va tuer. Let's go.
tabasser. Allez mon gars. Allez mon gars, la gueule. Allez mon gars. Allez Raph, putain. Allez Raph. On y va, les crues salées. Allez Raph. Concentre-toi, Raph. Que la oui. Allez mon gars. On y va. On y va. On y va. Allez Raph. Allez. On y va. Allez, grosse tension. Allez. Allez Scott, on y va pour le dernier là. Et oui mon gars. 9 sur 9 les mecs. Merci Fremen, non. 9 sur 9 et que des blanches. Que des paires, ça veut dire que des paires. C'est qui tes coachs? Dis-moi, enfin ton coach, mais ton coach. Équipe Fremen. La masse. En défi. Monte tes couilles, monte tes couilles. Ouais, je suis content, je fais 2-3 kilos. Allez, on y va. Je sais pas, c'est vrai. 20 kilos. 20 kilos en plus sur le total. Allez. Bon les gars, je vous reprends aujourd'hui, on est le lendemain. J'étais explosé hier, donc j'ai pas pu vous finir un peu, filmer un peu la suite. Bon déjà, je vous remonte ça, je vais m'entraîner avec. Et tout à l'heure, du coup, je vais partir au taf, donc je vous reprendrai pas forcément tout à l'heure. Donc ça s'est ultra bien passé hier. Raph a fait un 9 sur 9, magnifique. Il a fait pas mal de PR, que ce soit sur le squat et sur le terre. Donc je vous mettrai de toute façon à chaque fois tous les totaux et également le PR qu'il a fait par rapport à d'habitude. Donc je suis très très fier de lui. Bravo BG, t'as vraiment assuré, l'ambiance était vraiment cool. C'est plutôt cool de voir une ambiance comme ça. Ça change un peu de l'ambiance du coup body, de ce que j'ai pu voir bah, du coup auparavant, un peu dans toutes les compètes et tout ça. Donc c'était vraiment sympa. Qui sait, peut-être un jour. C'est pas pour l'instant c'est pas du tout prévu, mais qui sait un jour du coup. Et bon bref, vous connaissez ma petite cherche pour chercher des hack squats. Il y en a enfin à Place de Clichy qui a été remis. Du coup, ça va être partir pour une sans jambes avec 4 squats. Je m'étais inscrit carrément à Easy Gym pour en avoir un. Mais là, du coup, vu qu'il y en a un maintenant ici, bah, je vais y aller tout simplement. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Mais je vais peut-être essayer de chercher une salle un peu. Peut-être plus body sur Paris. Donc, je suis en train de voir ça. Parce que niveau ambiance, niveau monde et tout ça, ça devient un peu compliqué. Là, niveau sommeil, en plus, c'est pas la folie. Donc. Je vais essayer de donner mon max quand même pour cette séance parce qu'on a des résultats à aller chercher les gars. Donc je vais vous filmer ça et ensuite je vous reprendrai. Mais aujourd'hui bah, c'est la journée de taf, un peu comme d'habitude, du coup il n'y a pas grand chose à vous filmer en soi. Le principal de la vidéo c'était hier, mais je vais vous montrer un peu parce que le hack squat du coup ça me permet vraiment bah, d'être beaucoup plus focus. Je sais pas pourquoi en ce moment j'en ai plus envie peut-être de m'entraîner. Et du coup bah, quand vous aimez votre entraînement, bah, forcément c'est mieux. Bref. Je vais m'entraîner les gars, j'ai pris bien sûr un petit pré-workout, j'ai quasiment pas dormi. Là il est très tôt, je crois il est 7h du matin. C'est ça, 7h du matin. C'est parti pour une sans jambes. You're gonna regret telling me that, Somasu! Because now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to pay! Domain of our gods and use that
You're entitled to greatness. Is that supposed to be insulting? You say I'm arrogant, I say damn right. That's pride, pride in the Saiyan I am. The mighty prince of the ultimate warrior race. Training terminado, je suis mort. Franchement les gars, j'ai hâte d'être en vacances, je suis en vacances dans environ 10 jours. J'ai trop hâte. Training tôt le matin, quand je dors pas beaucoup, c'est vraiment dur. En ce moment en plus, il y a un truc vachement, une vibe en mode ouais, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Et au final, c'est totalement ça. Or, j'ai pas du tout envie d'y aller le matin, surtout aussi tôt. Mais c'est le seul moyen qui va me faire progresser en fait. C'est d'y aller au moins 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. J'essaie de suivre comme ma progra. Mais voilà, ce qui est dur au final, c'est la récupération. Mais j'essaie de m'astreindre au maximum, que ce soit la diète, training. Comme ça, je mets les chances de mon côté. Mais ouais, c'est totalement de la discipline, c'est de se lever. Même si t'as pas forcément envie de faire le taf, tu vas le faire. Et tu vas tout donner. Là, ce qui est un peu dur, c'est qu'après les jambes, tu sais, t'as souvent cette petite minute d'absence où tu te sens pas forcément bien. Et tu fais comme le taf. Donc tu donnes tout. Et c'est ce qui va faire que tu vas réussir à progresser. Bref, je vais pas trop vous garder trop longtemps. Là, je vais partir au taf. Ça va parce que j'ai 30-40 minutes du coup devant moi pour essayer de reprendre mes esprits un peu. Je vais me poser. J'ai de la whey, une banane et galette de riz pour après l'entraînement là. Ce qui est un peu chiant quand je fais ça en fait, c'est que du coup, j'ai en moins gros petit déj que j'ai chez moi, c'est-à-dire le tranche de pain de mie, les œufs et tout ça. Donc bon, les travaux, fuck. Donc bon, j'y vais et je pense que je vous reprends là-bas. Je suis rincé. Petit shake, The Way. En ce moment, je suis sur la The Way au chocolat et petite banane. Je vais manger ça, je vais travailler. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, fin de semaine, j'ai un gros truc qui arrive. C'est l'event au Bass Gym. Donc, je sais pas s'il y en a qui y seront, mais moi j'y serai. Du coup, event au Bass Gym à Mulhouse. Super gentil de la part de Baz. Ça va être, je pense, très très lourd. Ensuite, d'ici pas longtemps, du coup, je pars en vacances. Je vous filmerai ça. Ça va être très très lourd. Et fin juillet, il y a un autre truc plutôt cool qui devrait arriver. Donc, ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Vous allez voir. Mais c'est un petit déplacement et ça va être plutôt sympathique. Donc, bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore Gigi Araf, t'as assuré mon gars. Et j'espère que tu vas faire encore mieux à ton prochain meet. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour le référencement que vous connaissez. C'était Arthur Game. Peace.